Bonjour les Lucioles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un colorant, le E171, le dioxyde de titane. Donc, le dioxyde de titane, il est interdit dans les produits, dans les denrées alimentaires depuis le 1er janvier 2020 en France. Et depuis 2022 dans l'Union européenne. Donc il était utilisé dans l'industrie agroalimentaire, hein, donc on le trouvait dans les bonbons, dans les gâteaux, les glaces, les médicaments, le rouge à lèvres, le dentifrice, et, etc., etc. Il y a certaines enseignes qui ont retiré tous ces produits de chez eux, et on en trouve toujours dans le dentifrice, dans deux dentifrices sur trois, donc privilégier le dentifrice sans ce colorant quand vous achetez votre dentifrice. Et donc je vous lis, depuis 2022, l'utilisation du E171 dans les denrées alimentaires n'est plus autorisée dans l'Union européenne. Toutefois, la mesure européenne prévoit un écoulement des stocks. Donc vous pouvez aller regarder l'arrêté, hein, faire vos recherches. L'arrêté du 23-12-2022 maintient ainsi la suspension pour le marché français. Donc je vous mets des liens sous la vidéo pour aller plus loin et pour faire vos recherches et voir la liste des additifs aussi. En fait, les poussières de dioxyde de titane, c'est source d'irritation oculaire et d'irritation mécanique des voies respiratoires. Donc c'est ce colorant, il sert à donner une teinte blanche au produit en fait. Et il n'a aucun intérêt nutritionnel. Enfin, il servait à donner une teinte blanche au produit, il sert toujours dans certains produits. Il est composé à 40% de nanoparticules, 50 000 fois plus petites qu'un cheveu. Donc, si petites qu'elles se faufilent à travers la barrière intestinale et elles pénètrent dans le sang. Donc voilà, je vous invite à aller faire vos recherches, à lire les liens aussi sous la vidéo et à faire vos choix quand vous achetez des cosmétiques. Voilà, privilégier des produits de qualité et biologiques et sans ce colorant, c'est mieux pour la santé. Voilà, maintenant c'est votre choix, c'est le mien aussi, mais voilà, je vous invite vraiment à regarder les composants de ce que vous achetez en conscience. Je remercie toutes les nouvelles, les nouveaux abonnés, les futurs, les anciens, toutes les personnes qui visionnent ces vidéos. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, merci, merci de mettre des commentaires, des likes, des cœurs et de vous abonner. À bientôt. Magnifique lecture. Bye bye. Je vous aime.